En Côte d'Ivoire, un seul acte consacre désormais le titre de propriété en zone urbaine. C'est la CD. L'arrêté de concession définitive, unique acte par lequel l'État concède des terrains urbains à des personnes privées. Cette initiative du gouvernement ivoirien est saluée par la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire qui veut s'impliquer, jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce dispositif. La rencontre organisée par la Chambre vise à s'approprier l'essence de cette réforme. La CD limite la chaîne des interventions et réduit le nombre de documents pour acquérir le titre de propriété. Pour les notaires, c'est une véritable révolution dans le domaine du foncier urbain. Cette réforme qui, nous pensons, va sécuriser les notaires, étant donné que par le passé, nous étions vraiment en danger, compte tenu de la multiplicité des actes dans le foncier, les lettres d'attribution, les attestations de propriété, les arrêtés de concession provisoire et de la multiplicité également des acteurs intervenant dans la délivrance de ces documents. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme apprécie l'initiative des notaires. Désormais, les usagers seront tenus de chercher un notaire, où qu'il soit, pour au moins engager cette transaction. Dans tous les cas, ce sera entre le notaire et le conservateur. Et le ministère n'aura plus rien à voir. Avec l'arrêté de concession définitive, les usagers n'auront plus à fournir plusieurs documents, attestations villageoises, lettres d'attribution, arrêtés de concession provisoire pour obtenir le titre de propriété.